Je viens de vous jouer cette étude de Mauro Giuliani qui utilise la base d'Alberti, compositeur entre la période baroque et la période classique. Et sa contribution majeure à la musique, c'était l'invention de cette base qui consiste à jouer la note grave, puis la note aiguë, la note intermédiaire et puis encore la note aiguë. Et comme ça, ça fait un arpège, ça brise l'accord en fait. La basse d'Alberti a une double fonction, harmonique et rythmique aussi. Et ça s'est contrasté à l'époque baroque, où on a des phrases, des voix qui évoluent en parallèle. Okay? Là, la musique elle devient verticale. On a des accords qui s'enchaînent. Et on a des mélodies simples, comme celle-ci. Après, ce qui est intéressant avec la basse d'Alberti, c'est que selon le compositeur canadien Murray Schafer, qui a introduit la notion du paysage sonore et de l'écologie sonore, qu'elle est peut-être inspirée du trot de chevaux sur le pavé de la ville. De la même façon qu'au XXe siècle, la guitare de Jimi Hendrix elle est inspirée et limite un peu la nouveauté de l'époque qui était le jet, le son du jet. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.